Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps, parce que d'après ce que j'ai compris, ça ne va pas trop durer. Je vous retrouve pour un haul action. Il y a des nouveautés assez intéressantes. Et je vais commencer tout de suite par ce qui n'est pas de l'art créatif. Bon, en général, je vous le montre quand même, hein. C'est vrai que des fois, je ne vous le montre pas. J'ai des babioles à côté, vaisselle, etc. Là, je vais vous montrer. Donc, j'ai pris des verres parce que je ne sais pas ce que mon mari a en ce moment. C'est le roi du je casse les verres. Bon, on va se plaindre, c'est lui qui fait la vaisselle. Non, je rigole. Non, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi. Ça fait 1 ou 2 semaines. On en a déjà à 4 verres en moins. Donc, ceux-là, ils coûtent vraiment pas cher. D'après ce que je me rappelle, ils coûtent 2 euros, je crois. Je vais vérifier. Alors, et bien alors, ils sont où? Oui, même pas. 1,69 € les 6. Ça vaut vraiment pas de coup de s'en priver. Ensuite, ce qui n'est pas non plus de l'art créatif, mais rayon jardin. J'ai acheté ceci pour mon mari. Donc, c'est un tuyau d'arrosage extensible. Donc, il va de 7,50 m, ben, dans cet état-là. Hein, et il s'étend jusqu'à 22,50 m. Et il y a en plus les deux embouts qui sont là. Donc, un avec jet, etc. Et ça, je l'ai payé moins de 10 euros. 9,95 €. Bon. On en vient à ce qui nous intéresse le plus maintenant. J'ai acheté. Alors ça, c'est pas au rayon art créatif, mais moi, ça va être pour de la créa. C'est au rayon tout ce qui est fleurs séchées, enfin fausses fleurs, etc. Donc j'ai pris de la fausse mousse. Voilà. Une petite boîte comme ça. J'ai pris deux sortes. Donc j'ai pris celle-ci qui fait mousse séchée, on va dire. Et j'ai pris celle-ci qui fait plus mousse fraîche. Alors je suis désolée, je tremble beaucoup. Là, je vous l'ai déjà dit, hein, vous voyez, voilà, voilà ce que ça donne. Mais bon, et ce qui est assez étonnant, c'est que je tremble tout du côté droit. Donc, je ne cherche même plus à comprendre. Ça coûte 89 centimes. J'essaierai de vous montrer ce que je vais faire avec. Ensuite, maintenant, ça va être tout rayon créa. Alors, déjà une nouveauté. Ça, c'est au niveau peinture. Mais moi, ça va être beaucoup pour faire tout ce qui est moule. Je vais peut-être essayer aussi de faire du mix média avec. Mais plus que pour la peinture. Donc là, je trouve qu'ils sont vraiment jolis. Avec poignée un peu effet bois, hein, parce que je pense que c'est plutôt du plastique, mais là ils sont bien durs ceux-là. C'était surtout celui-ci qui m'intéressait parce que les autres j'en ai, mais c'est en plastique. Donc j'en ai un comme ça en fer, mais les autres c'est du plastique, les grands. Donc là vraiment intéressant. Le prix en plus était intéressant. Donc ça coûte. Couteau à palette, 1,99 €. Alors vraiment, je crois que c'est le prix que j'ai payé pour un. Donc chez Cultura. Ensuite, on a le retour des fleurs. Donc les fameuses fleurs comme ça. Hein. Moi, j'en ai pris un paquet de bleu. Je le trouvais sympa. Je trouvais sympa la couleur. Et j'ai pris deux paquets comme ça. Alors c'est un entre le rose et le violet, c'est pareil, je trouvais la couleur sympa. J'en ai des roses, j'en ai des rouges, des blanches, etc. Et là, je les trouvais vraiment jolies, celle-ci. Il y a plein d'autres couleurs, hein. Des rouges, des blanches, effectivement. Mais bon, comme j'en ai deux boîtes, je vais pas en prendre trop, je pense. Elles sont à 84 centimes. Ensuite, on a pareil, ça c'est un retour aussi, mais enfin, oui et non. On a déjà eu des petites boîtes comme ça, mais là, celles-ci de composition, je ne les avais pas vues. Donc là, on a des petites breloques. Bon, celles-ci sont pas. Elles font plastique.
Hein. Franchement, c'est pas pour les breloques que je l'ai pris, ça. Parce que les breloques sont vraiment plastiques. Par contre, il y avait quand même quelques perles qui sont assez belles. Donc, et il y avait aussi ces petites compos. C'est des fleurs et qu'il faut composer. Il y en a plusieurs petits morceaux. C'est surtout pour celles-ci de perles que je trouve super jolies. Je sais pas si vous les voyez bien. Ça fait un peu délavé bleu et vert. Elles sont vraiment belles. Là, on a le fil, hein, bien sûr, derrière. Bon, il y a quelques perles qui sont vraiment jolies. Donc, puis j'aimais bien la couleur. Il y a plusieurs couleurs, hein, pareil. Plusieurs compositions. Et j'ai pris celle-ci aussi, la violette. Alors, j'aimais beaucoup ces deux perles-là. Là, on a une compo pour faire pareil, pour créer une fleur dorée. Là, on a une jolie feuille. Ouais, là, vraiment, celui-là me semblait moins. Ça faisait moins plastique au niveau or que argent. Voilà, plusieurs perles, plusieurs tailles. Ça coûte 99 centimes, ma petite boîte. Ensuite, j'ai repris ce que j'appelle des flex, moi, hein, des pétales, en fait. Cette fois-ci, c'était couleur un peu. Je sais même pas trop quelle couleur c'est. C'est pas vraiment rouille. Je sais pas quelle couleur ils utilisent. Quelle couleur ils disent. Parce que c'est pas rose. Eux, ils disent rose. C'est pas vraiment rose. Hein. Je sais même pas si j'en avais des autres. Des roses ou pas. Mais moi, voilà. Celles-là sont vraiment très jolies. Bon, moi, j'utilise. Pour faire. Pardon. Moi, je les utilise pour faire effet marbre avec de la colle sur papier, avec encre à alcool. Je les utilise pour faire mes seaux. Je les utilise aussi avec le kit Indigo Blue pour faire des tamponnages que avec ensuite du flex. Et je les utilise aussi pour la résine. Voilà. Beaucoup d'utilisation, mais j'aime beaucoup cette couleur-là. Ensuite, je vous avais déjà montré la semaine dernière, il me semble, le Creative Paper. J'en avais trouvé deux la semaine dernière. Je n'avais pas trouvé celui-là. Je vais vous montrer quelques pages. Mais vraiment, rien que les jeunes filles là, c'est super joli. Donc, je vous l'ouvre dans deux petites secondes. Je vous montre déjà le reste. Ce qui est le plus facile à montrer. Et puis après, je vous ouvrirai l'album. J'ai pris également des papiers embossés. Donc, effet un peu miroir. Je l'ai trouvé vraiment très beau. Donc là, on a le doré. Je vais l'ouvrir parce qu'il y a plusieurs couleurs. Donc, il y a en tout 10 feuilles. Là, on a la dorée qui est très jolie. On a une bleue, rose. On a un gris avec des tout petits points. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, c'est des traits. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est bon, voilà. Un peu rouge grenat, un peu. Entre rouge et marron. Là, on a un joli violet avec des petits ronds. Là, on voit pas bien, mais c'est des étoiles. Je sais pas si je vais réussir à vous les montrer. Attendez. On les voit pas beaucoup, les étoiles, je trouve. Ouais, on voit un peu, hein. On les devine. Donc, un petit violet encore. Là, on a des petits ronds. Là, ça fait un peu effet tache de girafe ou je ne sais pas quoi. Un peu. Et là, on a un petit effet bois. Voilà. Mais il est un peu miroir celui-là. Donc ça coûtait
un nouveau quelque chose. Je vais dire ça tout de suite. Je le rangerai après. J'ai plein de choses à ranger. C'est un peu le bazar. Alors, pipopipopi. $0,95. Alors, j'ai dit une bêtise. En plus, j'ai dit que c'était un euro et quelques. Non, du tout. C'est 95 centimes. Ensuite, j'ai pris deux feuilles A4 de stickers. C'est des nouveaux. Il y en a des nouveaux. Il y en avait 6, je crois, différents. J'en ai pris 2 parce que les autres ne me plaisaient pas. Bon, il y en avait un qui faisait vraiment... Non, je n'aimais pas du tout. Il y en a un qui faisait vraiment bureautique, etc. Bof. Il y en avait qui étaient avec des animaux, mais très simplistes. Un peu enfantins, même. Bon, bref, j'en ai pris que 2. Mais j'ai vraiment craqué pour celui-ci. Donc, celui avec un petit raton laveur. Je vous montre. Le petit raton laveur, je le trouvais super mimi. J'aimais beaucoup celle-là aussi. Là, avec les petites fleurs. Et de l'autre côté... Voilà. Donc j'aimais beaucoup celui-là, la petite souris, j'aimais bien aussi. Et j'ai pris celui-ci avec des petits animaux comme ça, avec des fleurs. J'aime beaucoup celui-ci, celui-ci. Et de l'autre côté... Voilà. Sont vraiment très jolis ceux-là. Ça c'est pareil, ça doit être, c'est moins d'un euro, c'est $0,99. Allez, j'ouvre le bloc pour vous le montrer. Ah bah tiens, je vais tout tomber, c'est super. Hop. Bon, comme d'habitude, on va avoir des feuilles fine au début. Voilà, celle-ci. On va les regarder assez vite. Hein. Là, on a des petits points marrons et à l'intérieur, ça doit être du uni. Ouais. Ah non, c'est l'inverse en fait. C'est des petits points marron clair sur fond foncé et là, c'est l'inverse. Petits points foncés sur marron clair. Là, on a des gros points et à l'intérieur, du uni. Ici, on a de l'écriture. Je sais pas trop ce qui est écrit, mais cookie expresso latte, cookie expresso latte, sweet American sweet, etc. Bon, voilà. Et à l'intérieur, on a un petit crème. Là, on a des petits arcs-en-ciel, tout petits, et à l'intérieur. Un petit rosé. Voilà. Bon, là, on voit la transparence, mais c'est rosé. Hein. Hop. Je remets ça à l'intérieur. Voilà. Alors, il n'y aurait pas comme un problème là. Bon, j'ai 2 feuilles blanches. Alors bon, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va regarder quelques pages. Alors là, on a. En général, on retrouve les couleurs qui sont sur les feuilles. Hein. Donc, on a les petits pois, le uni, les petits arcs-en-ciel. On retrouve ici les écritures. Bon, les petits pois, encore de l'écriture, mais en plus clair. Des petits pois. Alors, on a une superbe photo. Elle est très, très jolie. Je l'aime beaucoup. Voilà, elle est vraiment belle. Hein. Je vais vous montrer les pages les plus intéressantes. Hein. Là, on a. Bon, j'aime moins celle-ci. Enfin, je ne suis pas une fan de café. Hein. L'autre, c'est surtout pour la tasse que je trouvais très jolie. Donc là, on a justement du café, des grains de café.
Là, on va avoir des petites tasses, des petits mugs, des petits paquets de gâteaux. Là, j'aime beaucoup cette page. Une tache de café. Alors, on retrouve les petits arcs-en-ciel, des petits pois, les écritures, bon, les mêmes, hein, les petits ronds. Bref, on retrouve encore une autre fois les deux images, hein, celle-ci et l'autre. C'est bien parce qu'on les a en deux fois, comme ça, si on utilise l'une, on peut prendre l'autre. Ensuite, on va trouver les très jolies cartes avec les jeunes filles dont je vous ai parlé. Le seul petit défaut que je trouve, c'est que la fille, on a envie de lui donner à manger, en fait, parce que elles sont vraiment trop maigres. Donc voilà, on a envie de lui donner du gras de jambon, hein. Non, mais je plaisante, mais c'est vrai que bon, il pourrait faire un petit peu plus réaliste. Hein. Elle pourrait très bien être jolie, mais ne pas être un petit sac d'os. Donc là, c'est des cartes. Hein. Donc, là, c'est l'arrière des cartes. On les a en deux fois. Là, on a des petites cartes aussi sympathiques. Voilà. Des petits tags. On les a pareil en deux fois. Et on a au verso, on a celle-ci aussi que j'aime beaucoup. Alors, là, on va avoir sur le thème justement ben, du café, de la détente, des cartes également. On retrouve les deux, d'ailleurs, les deux thèmes qu'on avait en grande feuille. On les a en deux fois. Après, on a des jolis petits tags encore. Après, on a des petites vignettes, cookies, café, etc. en hexagone. Et tiens, d'ailleurs, ça c'est intéressant de recomposer l'image en hexagone, c'est sympa. On a encore des tags, pareil, sur le thème des gâteaux, du café, des cookies, expresso, cappuccino, etc. Là, on va retrouver ben, toutes les petites cartes qu'on a eues tout à l'heure, mais en plus petites, en stickers. Et ensuite, on a des stickers comme ça, un petit peu d'une autre couleur. Je suis en train de me tordre le dos. Là, on va avoir cette fois-ci des lignes. Après, on retrouve des images sur le café. Normalement, après, ça doit être du coloriage. On a la grande image cette fois-ci. On avait vu en petite. On retrouve des petites cartes écrites et des coloriages. Donc voilà. C'est pas... encore un coloriage et puis on retrouve aussi les découpes à faire pour des boîtes. Donc on a celle-ci. On retrouve un calendrier d'anniversaire. Pareil encore des boîtes et puis à la fin comme pour les deux autres il n'y a rien, il n'y a pas les fameux rubans qu'il y avait normalement. D'ailleurs il y avait une boîte avec, mais là ils préfèrent nous donner de quoi la faire nous-mêmes. Donc c'est tout pour ce haul action. Il n'était pas énorme mais il y avait quand même des trucs sympas. Donc moi, je vous laisse parce que j'ai autre chose à vous montrer dans une autre vidéo, un haul craftelier. Donc pareil, des jolies choses. Je vous retrouve tout de suite. Au revoir!